Ouais! J'imagine que t'as pas reçu mon message, vu que t'as pas reçu les quatre appels qui l'ont précédé. Peut-être, je sais plus. Pourquoi? Tu sais le message qui disait que papa est mort. Ouais, je l'ai reçu, ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que t'es venu? On est venu te chercher avec Sophie, elle attend dans la voiture. On a rendez-vous avec le mec de la chambre funéraire. Il faut qu'on y aille, 1 million de papiers à remplir, faut qu'on organise les funérailles pour la semaine prochaine. Et du coup, sa nouvelle femme, elle peut pas s'en occuper? C'est pas à elle de le faire, ça. Ok? On est ses enfants, il faut qu'on s'en occupe. C'est le dernier truc qu'on peut faire pour lui. J'ai plus de père le jour où il nous a abandonnés, ok? Donc maintenant, tu te démerdes, tu vas retrouver Sophie et tu t'occupes de ça en solo, ok? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que t'es le seul qui l'a abandonné quand il est parti? Il nous a abandonnés tous les trois, sans parler de maman. Le couplet sur maman. Il n'y a pas de couplet sur maman, et j'ai pas envie qu'on reparte dans ce débat-là. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que notre père, peu importe ce qu'il a fait, peu importe s'il a été une ordure toute sa vie, il est mort aujourd'hui. Et c'est notre rôle de nous occuper de ça. D'accord? J'ai plus de rôle à avoir pour lui. Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi. Écoute. Va retrouver Sophie. Écoute. Et fais ce que tu veux. Arrête, c'est pas parce que lui nous a abandonnés qu'il faut qu'on fasse pareil. Ok? On est tous les trois. On l'a toujours été. On a grandi ensemble. On s'est toujours entraînés. Aujourd'hui, Sophie et moi, on a besoin de toi. Principalement Sophie. Elle est bouleversée. Elle attend que tu viennes. S'il te plaît, lève-toi, habille-toi. Non. Et on y va. Non. Non, je viendrai pas. Je viendrai pas. Maintenant, s'il te plaît, sorte chez moi. Ou sinon, c'est moi qui te vire. Tu sais quoi? Je dis une chose avant de partir. Je suis même pas déçu. Je sais même pas à quoi je m'attendais en venant. Sophie va être déçue. Sophie, elle croit toujours en toi. On a toujours été là pour toi. Je suis ton putain de grand frère. Quand maman avait pas le temps de faire à manger, de s'occuper de toi, avec tes devoirs et toutes ces conneries, putain, c'est toujours moi qui m'en suis occupé. J'ai toujours été là à essayer de te donner des conseils. Finis tes études, trouve un boulot. Et t'en as jamais rien eu à foutre. Mais je m'en branle en fait que tu m'écoutes pas. Moi j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi j'ai mon job, j'ai ma nana, j'ai un peu d'argent. Ça c'est pas le problème. Et du coup t'es venu pour ça en fait? Pour me raconter à quel point ta vie elle est formidable et la mienne merdique, c'est ça? Elle est pas formidable. Elle l'est pas. Elle l'a jamais été. Et encore moins maintenant que papa est mort. D'accord? C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on a toujours été là pour toi. Et que pour une fois, t'aurais pu nous rendre l'appareil. Que pour une fois, t'aurais pu faire cet effort. Et je vais te dire un dernier truc. Tu le détestes, papa. Tu lui en veux. Parce qu'il nous a abandonnés. Mais t'es comme lui. Je sais. Je sais.